un jour le vent s'est levé. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Le soleil nouveau s'est levé. Apôtre, papa Sylvain Otaka. Bonjour, cher frère Constant. Je suis content de vous voir. Merci. Papa, je pense que ce n'est pas hasard de venir encore vers vous. Moi, je peux dire que je vais revenir. Ça fait vraiment des années passées. Et vu le premier dimanche quand je suis passé dans l'église, et le mardi, je suis passé à l'entretien avec vous. Et c'est là où j'ai trouvé que c'est Dieu qui utilise ses enfants. Parce qu'on a un message très important, qui est les enfants de Dieu et aussi les hommes de Dieu et qui est en train de troubler le cœur des enfants. Souvent pour moi, je vais intervenir par rapport en Europe. C'est pour cela que les enfants de Dieu, eux aussi, papa, parce que je connais au moins votre langage par rapport à ce que le Saint-Esprit, par rapport à ce que Dieu a mis pour vous, un message à l'époque que j'ai entendu de vous. Alors je pense aujourd'hui, si va le Saint-Esprit qu'on va nous guider, essayer un peu d'éclaircir et aider le peuple de Dieu. Aider le peuple de Dieu qui sont péris. Le peuple de Dieu qui ont abandonné même leur assemblée, qui ont abandonné même leur Dieu, papa, uniquement parce que il y a d'autres hommes de Dieu dans les assemblées de Dieu qui disent que parler en langue, c'est une langue de chien et c'est une langue de diable, que dans l'assemblée, on ne peut pas. Ils arrivent même à interdire par une force même, je peux dire. Alors les enfants de Dieu se posent des questions. Nous, on reçoit des appels et des appels et des emails pour ça. Essayez d'aider même les hommes de Dieu aussi, papa, de faire comprendre à travers la parole que nous servons tous. C'est pour cela que Dieu vraiment nous a mis au cœur hier, parlant comme ça, et j'ai vu qu'il y a un papa qui va nous aider tous à comprendre, vraiment parlant en langue exactement. C'est quoi au juste? Ok, si tu penses, papa, il a compris. Merci beaucoup. Je comprends votre préoccupation. Je suis quelque peu écœuré d'entendre qu'il y a des gens qui quittent les assemblées, qui sont chassés ou qui ne digèrent pas certains propos parce que certains hommes de Dieu auraient pu dire que le parler en langue, c'est une langue de chien. C'est satanique, c'est diabolique. Bon, je voudrais d'abord qu'on comprenne les choses à l'origine. À l'origine, je veux dire, les langues, le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Amen. Et parce que c'est un don du Saint-Esprit, nous pouvons, si vous me le permettez, parcourir les Écritures. Amen. Pour que tout le monde se réfère. Le parler en langue, c'est fondamentalement et à l'origine, c'est un don du Saint-Esprit. Amen, papa. Donc, je vais dire que c'est le Saint-Esprit qui distribue des dons. Il distribue des dons comme il veut et à qui il veut. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, je peux vous épargner de toute la litanie. Nous pouvons commencer par le verset 7. Amen. Ou alors nous commençons par verset 4. Je peux lire au nom de Jésus. Amen. Il y a diversité des dons, mais le même esprit.
Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, c'est un don. À un autre, une parole de connaissance, c'est un autre don, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen, papa. Donc, ici, on nous dit que c'est l'attribut, les dons à chacun comme il veut. Donc, parmi les divers dons que nous avons lus ici, on parle des dons de langue. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons de parler en langue. Amen. À son origine, cela n'est pas satanique. Même pas. Cela vient de Dieu. Mais tout simplement, il faut savoir que Satan se spécialise dans la contrefaçon. Amen, papa. Il prend ce qui est de Dieu et il fait la contrefaçon et il utilise ça comme si cela venait de Dieu, alors que c'est Satan qui parle, c'est Satan qui fait ça. Amen, papa. Et c'est là où le problème peut se poser. Je voudrais encore, si vous le permettez, m'étendre un peu plus loin là-dessus, sur ce don de langue. Voilà, je suis d'accord avec vous parce que, si on revient avec ça, papa, parce que nous voulons vraiment que les enfants de Dieu retrouvent leur ligne. Tout à fait. Il faut que le peuple de Dieu et tout le monde qui nous écoute maintenant sache que Dieu seul, à travers du Saint-Esprit, peut donner un don du Saint-Esprit. Entre autres, le don de parler en langue. Donc, Dieu peut le donner à qui il veut. Mais du moins, pour raison d'ordre et de discipline, vous avez vu l'apôtre Paul mettre de l'ordre dans l'exercice de ses dons. Moi, je suis en train de croire, c'est peut-être à cause de cela, que certains hommes de Dieu interdisent les parler en langue et refusent que cela ait lieu dans leurs églises. Et du moins parce que peut-être ils ont vu la contrefaçon du diable, ils ont vu la manière désordonnée dans laquelle ce don était en train d'être exercé. Par rapport aux Écritures, l'apôtre Paul met de l'ordre dans l'exercice de ce don. Vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est une bonne chose. Mais de quelle manière vous pouvez exercer ces dons? De quelle manière vous pouvez parler en langue dans l'assemblée? C'est surtout ça. Dans quelle manière? Le Seigneur, au travers de son serviteur Paul, nous fait voir que si vous avez reçu le don de parler en langue, sachez-le, demandez beaucoup plus à Dieu qu'il vous donne les dons d'interprétation. Amen, papa. Pour que votre parler en langue puisse édifier le peuple de Dieu. Amen. Parce qu'en fait, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il n'édifie pas l'Église. Amen. En quoi l'Église peut-elle dire Amen si personne n'entend le message que vous transmettez par votre parler en langue? Amen, papa. Alors, c'est ainsi que on risque de vous considérer comme un barbare, un fou, un homme déréglé. C'est ainsi que si vous voulez que l'Église, non, du moins, le Seigneur voulant que l'Église soit édifiée par le parler en langue, le Seigneur accompagne le parler en langue par l'interprétation. Amen. Et là, l'apôtre Paul dit, si vous avez les langues, priez Dieu pour qu'il vous donne l'interprétation. Amen. Et c'est l'interprétation des langues qui pourra édifier l'Église
et le message sera perçu correctement et l'église peut dire amen. Amen, papa. Alors, si vous priez et que vous n'avez pas l'interprétation des langues, vous parlez seulement en langue, il nous est recommandé de nous taire. Amen. La Bible dit, taisez-vous et parlez pour vous-même. De peur que vous ne soyez en scandale pour la communauté, amen, que vous ne soyez en scandale pour ceux qui vous écoutent parce qu'ils ne comprennent rien, ils risquent de croire que vous êtes un barbare. Pour amen, utiliser les termes de la Bible, on dit, on risque de vous considérer comme un barbare. Alors, un enfant de Dieu qui reçoit les dons de parler à langue, il priera à Dieu, Seigneur, donne-moi l'interprétation. Si le Seigneur le veut, il peut accompagner le parler en langue par l'interprétation. Alors là, vous pouvez parler en langue et accompagner ce message par l'interprétation, c'est-à-dire vous parlez par une langue que le peuple connaît et tout le monde entendra. Ça peut ne pas venir de vous. Dieu peut permettre que quelqu'un d'autre dans l'assemblée puisse interpréter cette langue-là. C'est aussi une grâce. Amen. Et là, l'église est édifiée. Le peuple de Dieu est édifié et tout le monde mais peut dire en dehors amen de ça, il est vraiment déconseillé que l'on parle en langue en désordre. Celui-là parle là-bas, celui-là parle là-bas, celui-là parle là-bas. D'abord, ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Amen. On n'entre pas dans une école pour apprendre comment parler en langue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue ça à qui il veut et comme il veut. On n'entre pas dans une école, il n'y a pas un professeur qui apprend aux gens comment on peut parler en langue, commencer par dire la 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 la, commencer par dire bababababa. Non, ça ne vient pas comme ça. L'Esprit lui-même dicte et quand ça vient, ça sort comme ça. Alors, dire que c'est diabolique, non, il faut se réserver. À l'origine, ça vient du Saint-Esprit. Mais, comme je l'ai dit, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Amen, papa. Il y a le bon, il y a le mauvais. Amen. Maintenant, le Seigneur donne le vrai don. Le diable, qui est spécialiste en contrefaçon, va injecter le faux parler en langue. Et ainsi, les gens vont commencer à parler en langue comme si cela venait de Dieu, alors que c'est le diable qui injecte. Amen. Et pour cela, certains hommes de Dieu, ils sont rigoureux et carrément, ils interdisent. Mais moi, je crois que ce n'est pas bon d'interdire tout parce qu'on ne peut pas interdire un don du Saint-Esprit. Amen. Tout simplement, il y a une procédure, il y a un remède que le Seigneur a donné dans l'Église. Il a libéré le don de discernement des esprits. Amen. Les dons de discernement des esprits permettent de détecter la manifestation ou l'opération d'un faux don dans l'Église. Quand quelqu'un parle en langue et que cette langue ne vient pas du Saint-Esprit, celui qui a les dons de discernement va vite détecter que cette langue-là ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Cette langue-là, où elle vient de Satan, où elle vient de l'homme. Parce que il y a des hommes qui apprennent eux-mêmes aussi à dire dites ceci, donc ça peut venir des hommes comme ça peut venir du diable. Oui, papa, et... je peux vous interrompre par là. Oui. On avait vu dans le missionnaire, il y a un homme de Dieu qui a posé une question dans l'assemblée. Il dit, toutes les personnes qui n'ont jamais parlé en langue, pouvez-vous mettre des vous passer devant. Et si vous souhaitez aussi de parler en langue aujourd'hui. Et c'est là où j'ai entendu quelque chose, vous avez parlé. Et comment ça se passe, c'est quand on dit aux gens, si vous voulez parler en langue aujourd'hui, et vous avez l'envie, passez devant et vous devez parler en langue aujourd'hui. C'est là où je ne comprends pas comment la communication du Saint-Esprit, et il y a aussi quelqu'un qui va vous communiquer comment parler en langue. Bon, et là, il y a possibilité, du moins ce que l'homme de Dieu a dit, je ne sais pas quel était... Et la pensée profonde, mais du moins je sais que le Seigneur peut utiliser son serviteur pour que certains dons soient
libéré par le Saint-Esprit au travers de la parole de son serviteur. Amen. Qu'est-ce qui peut se passer? La Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Alors, il a dit, si quelqu'un souhaite parler à l'âme, c'est quelqu'un qui aspire. Alors, il dit, c'est dans son corps, il s'est toujours dit, Seigneur, si tu peux me donner aussi les dons de parler à l'âme. Alors, un serviteur de Dieu qui parle à Dieu, qui dit, Seigneur, je voudrais, comme toi, tu m'écoutes, comme toi, tu m'exauces. Car la Bible dit que l'Éternel accomplit les paroles de ses serviteurs. Amen. Je voudrais que ce soir, tu libères les capacités et les dons divers auprès de ton peuple. Entre autres, les gens qui n'ont jamais parlé en langue. Seigneur, que tu permettes aujourd'hui qu'ils parlent en langue. Tout est possible. Dieu peut libérer ça et Amen. Les gens peuvent parler en langue. Amen. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui a donné ça. Mais il a parlé et Dieu a écouté sa parole, Dieu a exaucé ça, Amen. Comme il a accompli les paroles de ses serviteurs. Amen, papa. Voilà un peu comment je peux expliquer ça. Mais il ne faut pas que l'homme de Dieu croie que c'est lui qui donne ça. Amen. Parce que lui ne peut pas donner un don du Saint-Esprit. Amen. Non, les dons du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui les donne. Nous ne pouvons pas. Mais Dieu nous écoute et Dieu accomplit les paroles de notre bouche. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Ce que vous ordonnerez, dans d'autres versions on dit ça, oui. Ce que vous ordonnerez Amen. Sur la terre sera ordonné au ciel. Moi j'ordonne que ce soir, les gens qui n'ont jamais parlé en langue puissent parler en langue. Le Seigneur écoute, il exauce et il libère ça. Amen. C'est de cette manière que ça peut se passer. Amen, papa. Bon, je ne sais pas si vous avez une autre préoccupation, mais là encore, oui. Je voudrais encore ajouter un petit élément. Toujours sur le parler en langue. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de croire que tout le monde à l'église doit parler en langue. Amen. Ça, ce n'est pas correct. C'est le don du Saint-Esprit. Et même ce que je venais de vous lire ici, il est clairement dit que le Seigneur distribue à l'un, il donne le don de miracle, à l'autre, le don de parler en langue. À l'autre, les dons de la parole de connaissance. À l'autre, les dons de guérison. C'est comme ça. À l'un, à l'autre, à l'autre. Mais, il n'est pas dit que tout le monde doit recevoir les dons de parler en langue. Il n'est pas dit. D'ailleurs, je vois quelque part l'apôtre Paul est en train de dire, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous ont-ils les dons de guérison? Non! Nous n'avons pas tous les dons de guérison. Quand bien même nous avons le pouvoir de guérir les malades au nom de Jésus, mais les dons de guérison, nous ne l'avons pas tous. Les dons de miracle, nous ne l'avons pas tous. Les dons de la parole de connaissance, nous ne l'avons pas tous. Les dons de la foi, nous ne l'avons pas tous. Le Seigneur donne aux uns comme aux autres. Amen. S'il ne vous a pas donné ces dons, il peut vous donner un autre don. S'il ne nous a pas donné ses dons, il peut vous donner un autre. Et puis, c'est ce qui fait la complémentarité dans l'exercice du ministère au sein de l'Église du Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais compléter pour que les hommes de Dieu ne puissent pas se mettre d'ailleurs même à la place de Dieu et chercher à faire croire aux autres frères qui ont cru au Seigneur que si vous ne parlez pas en langue, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous ne parlez pas en langue, c'est que le Seigneur n'est pas avec vous. Non, ce n'est pas ça. C'est un don. Amen. Que le Seigneur donne. Comme il peut donner un autre don à un autre. Quelqu'un peut avoir un don de guérison et qui ne parle pas en langue, c'est tout à fait normal. Il peut avoir un don de miracle, même s'il ne parle pas en langue. Le Seigneur l'a voulu ainsi. C'est comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à avoir tous les dons du Saint-Esprit. Mais selon la volonté, le pouvoir discrétionnaire du Seigneur lui-même, il distribue les dons à qui il veut et comme il veut. C'est de cette manière que nous comprenons les Écritures, et c'est de cette manière que j'invite les peuples de Dieu à comprendre les Écritures. Je suis un apôtre, je protège beaucoup le fondement,
je protège le fondement. Amen. Et je voudrais que tous ceux qui parlent de la part du Seigneur se réfèrent au fondement et qu'on ne puisse pas briser le fondement, qu'on ne puisse pas froisser les enfants.